Inauguré en mai 2011, l'Institut des métiers de l'aéronautique IMA se situe près de la zone d'activité Acropole de l'aéroport de Casablanca. Constitué de salles de cours et d'une halle technologique, le centre peut accueillir annuellement 500 stagiaires en formation initiale et 200 en formation continue. La plupart des étudiants sont de niveau Bac plus 2. Vite l'Institut Naya. J'ai déposé ma candidature ici à l'Institut. J'ai été acceptée au concours. Et actuellement, je suis en train de suivre une formation de pré-embauche. Maintenant, on a quelques minutes en formation. C'est une formation pré-embauche. Nous sommes dans l'atelier usinage, commande numérique, où la formation dure 9 mois. À leur sortie du centre, les étudiants doivent être opérationnels. Les méthodes de formation sont assez sophistiquées, ce n'est pas un stage ordinaire. Nous sommes tout de suite confrontés à des situations réelles de travail. Le but, c'est former des jeunes en alternance, deux semaines dans l'entreprise où ils vont travailler et deux semaines en formation ici à Lima. Notre formation est centrée exactement au développement des compétences pour la fabrication des pièces aéronautiques et répondre aux besoins des entreprises qui sont déjà installées au Maroc. Le secteur aéronautique emploie environ 10 000 salariés dans l'industrie et les services techniques. De nombreuses entreprises utilisent contre rétribution ce centre comme outil de formation. Depuis sa création, 630 stagiaires ont obtenu leur diplôme à Lima. 900 autres en sortiront diplômés en 2015.